أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre science préférée, Sungalo Wajuli, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois de repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce, dans sa miséricorde, Il a révélé le Coran dans ces mois bénis de Ramadan avec précision dans la nuit du destin, ce qu'on appelle la nuit du Laylatul Qadr. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette nuit est située dans les 10 dernières nuits des mois bénis de Ramadan, dans les nuits impaires, et les savants ont dit qu'il y a une grande probabilité sur la nuit du 27. Donc le musulman, il saisit l'occasion, il profite de cette opportunité pour veiller les 10 dernières nuits avec des prières, mais il met l'accent sur les nuits impaires et il met l'accent particulier sur la nuit du 27. Certains érudits ont mis l'accent sur la nuit du 27, compte tenu peut-être de certaines coïncidences sur le plan des chiffres, sur l'analyse de la sourate Qadr, qui parle de la nuit de Laylatul Qadr où Allah nous dit Bada a'ouz billahi minash shaitan rajim, bismillahi rahman rahim, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ L'analyse de cette sourate prouve que la sourate est composée de 30 mots. 30 mots, chaque mot représente un jour du Ramadan. Mais le 27e jour ou le 27e mot coïncide سَلَامٌ هِيَ que la paix se trouve dedans. À cet endroit, donc certains ont déduit pour dire que la nuit du 27, c'est ça qui correspond à la nuit de Laylatul Qadr. Salamun hiya, après ces mots, il n'y a que trois mots. Hatta matla'il fajr. Donc sur les 30 mots, le salamun, où on met l'accent, où Dieu dit la paix se trouve dedans, ça c'est le 27e mot. Et aussi, autre analyse, ça, c'est la valeur numérique de Laylatul Qadr qui est estimée à 9. Et Laylatul Qadr a été répété dans la sourate 3 fois. Donc, 3 fois 9, ça nous donne 27. Donc, là aussi, ça a été une coïncidence sur le plan de chiffres que certains ont déduit que c'est la nuit du 27. Wallah alam. La miséricorde de Dieu est grande. Ça peut être la nuit du destin, que c'est une nuit fixe, comme ça peut varier d'une année à une autre. Mais le musulman joue à la prudence. Et pour être prudent, ça veut dire quoi? On fait l'effort dans les 10 dernières nuits. On fait l'effort, n'est-ce pas, supplémentaire la nuit, les nuits impaires. Et on fait vraiment beaucoup d'efforts et on met l'accent particulier sur la nuit du 27. Tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde cette nuit. Quelle est l'importance de la nuit du destin? C'est la nuit du destin, la nuit de Laylatul Qadr est importante pour le musulman sur le plan de ajr, de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous dit, c'est meilleur à 1000 mois d'adoration. Ça, il n'a pas dit ça équivaut à 1000 mois d'adoration. Car la khayr, donc, c'est plus méritoire. Ça veut dire que personne ne peut te dire exactement la récompense qu'on obtient en veillant à la nuit du destin, car
Allah dit c'est meilleur à 1000 mois d'adoration. Et d'abord, 1000 mois d'adoration, ça fait plus de 83 ans et 4 mois. Quelqu'un qui fait 83 ans et 4 mois d'adoration, quelqu'un qui veille cette nuit, ça te permet de pouvoir obtenir une récompense équivalente à cela. Donc, il y a des miséricordes. Il y a une grande récompense. Deuxième élément, c'est la nuit où le Coran a été révélé. C'est comme l'anniversaire de la révélation du Coran. Et le Coran constitue une grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah nous dit « Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabal, la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah. » Il dit « Si on avait révélé ce Coran sur les montagnes, tu allais voir les montagnes s'effondrer par la crainte de Dieu. » Le Coran qui constitue notre code de conduite, la voie à suivre pour réussir dans la vie ici-bas et réussir dans la vie de l'au-delà. Donc, c'est la nuit ou l'anniversaire de la révélation du Coran. Et tout ce que nous avons comme fondement, comme de cette religion, c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, chaque lettre est récompensée au minimum par 10. Le fait de dire « Bismillahirrahmanirrahim », ça équivaut à 19 lettres. 19 multiplié par 10, ça fait 190. Ça, c'est le minimum qu'on obtient. Wallahu yuda'ifu liman yasha. Et aussi, la nuit du destin est importante. Nous devons la chercher. C'est la nuit du destin, comme on a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il publie aux anges les plannings des événements de l'année. C'est Allah seul qui sait ce qui se trouve dans les registres, dans le grand registre qui contient le planning de la vie en entier. Quand Allah a créé, il a demandé à la plume d'écrire les cours, les événements qui vont se dérouler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Yamhu Allahu ma yasha wa yusbit, il maintient ce qu'il veut, il change ce qu'il veut. Cela veut dire, il y a une partie qui est influencée par les cours des événements, par l'invocation, comme le prophète nous dit dans un hadith, et par les doigts, qui est l'aumône qui influence le cours des événements. Il y a des invariables, ce qu'on appelle des choses dont on ne peut pas influencer. Et le cours des événements constitue des choses qui peuvent être influencées, qui peuvent être changées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, Yamhu Allahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Donc le musulman, en faisant l'effort, la nuit du destin, ça te permet de pouvoir influencer positivement les cours des événements. Le planning qui sera publié aux anges, ça permet d'influencer de façon positive. Tu auras la récompense, tu auras une influence positive sur les cours des événements et avec une grande récompense. Et Allah dit cette nuit, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, que l'ensemble des anges seront mobilisés pour descendre sur la terre. Ils sont accompagnés par leur chef qui est Jibril alayhi salam. Salamun, c'est la paix. La paix et la miséricorde de Dieu. Hatta matla il fadir jusqu'à l'aube. Donc cela veut dire que, chers frères et sœurs, la nuit du destin, le musulman doit la chercher, le musulman doit faire l'effort, le musulman doit fournir beaucoup d'efforts pour la nuit du 27. Compte tenu de ce que nous avons annoncé comme information et pour pouvoir chercher et obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit du destin, nous devons mettre l'accent sur la prière, sur l'invocation. Bien sûr, ils arrivent qu'on prie seul, mais nous devons augmenter ou donner plus de temps à l'invocation, à doa, et donner plus d'importance à l'aumône. Selon ce qu'on peut, et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait le moyen de tout un chacun. Celui qui n'a pas de moyens, qui ne peut rien donner, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wa kullu tasbihin sadaqa, et le fait de dire subhanallah fait partie de l'aumône. Aider quelqu'un, venir en aide à quelqu'un, apporter même, enlever des ordures sur la route, fait partie de l'aumône. Donc, chers frères et sœurs, cette grande nuit qu'Allah nous accorde, la nuit du destin. Et Aïcha radiallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je parviens à connaître la nuit du destin,
quelle formule d'invocation tu me recommandes? Le prophète a enseigné à notre mère Aïcha radiallahu anha cette formule d'invocation qui est Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Seigneur, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, donc on te demande de nous pardonner. Qu'Allah nous pardonne tous, qu'il nous accorde la nuit du Laylatul Qadr et qu'il accepte nos efforts, nos invocations dans cette nuit et qu'il fasse que ce qui sera planifié, décrété pour nous, que ça soit du bien dans la vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de la nuit de Laylatul Qadr. Wa jazakumullahu khayran, wa barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum.